En fait, je suis en famille, je suis venu voir un père. Modeste Toboula est allé rétablir la vérité auprès de El Hadj Ousmane Aboubakar sur certaines informations relayées à son sujet ces derniers jours dans l'opinion publique. Jamais la délégation préfectorale n'a cassé la mosquée de Kadjem. La mosquée de Kadjem a été déjà cassée par l'imam lui-même depuis près de 2 ans dans une politique de reconstruction de cette mosquée à l'instar de ce qui s'est fait à Zongo. On n'a pas fermé la mosquée de Kadjem. Aucune décision préfectorale n'a été prise pour fermer la mosquée de Kadjem. Il s'inscrit en faux contre les propos selon lesquels il chercherait à réduire la pratique de l'islam dans le département du littoral. J'ai appris qu'on a dit que le préfet a dit que désormais, il n'y aurait qu'une mosquée par quartier ou par arrondissement. C'est faux. Modeste Toboula s'insurge contre la récupération politique qui serait en cours. Nous sommes en phase avec les idéaux de la communauté, les idéaux de l'islam. Ceux qui veulent montrer l'islam dans notre pays comme une religion d'opposition, je pense qu'ils n'ont qu'à choisir une autre voie pour faire l'opposition. Au message d'apaisement du préfet, fait écho celui de dialogue de l'imam. Je ne donne tort ni au président de la République, ni au préfet. Nous devons les voir et leur parler. Le préfet va nous conduire chez le président pour qu'on lui explique certaines choses.